à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Mango fait du tarot pour eh bien quelque chose qui change de d'habitude, mais qu'est-ce qu'elle nous prépare cette mangounette? Eh bien oui, un déballage. J'ai reçu cette petite boîte et j'avais envie eh bien d'ouvrir ça en même temps que vous. Voilà, c'est un petit partage et c'est une découverte, donc on va aller voir ce que c'est. Alors j'ai juste enlevé le papier parce que bien sûr il y avait mes coordonnées. Et puis là on va eh bien tout simplement ouvrir. Ouh. Et c'est la Good Karma Box de Stéphanie Abellan, donc une nouveauté, voilà, qui vient de sortir. C'est un tirage quotidien à faire. La Good Karma Box, c'est vraiment recevoir un message qui va vous inspirer, qui va vous rebooster. Il y a trois cartes, trois types de cartes. Une carte reconnexion, une carte inspiration et une carte alignement à soi. Donc, je vais bien sûr l'utiliser en vidéo. Tout à l'heure, je vais le purifier. Je vais vous montrer comment faire d'ailleurs quand on purifie un nouveau jeu. Et la Good Karma Box, eh ben, c'est quoi? C'est recevoir un message inspirant et positif au quotidien dès lors que vous en ressentez le besoin. Les cartes sont classées en trois axes, reconnexion, inspiration et alignement à soi. Il vous suffit de vous laisser guider, de tirer une carte et de laisser infuser son message tout au long de votre journée afin d'éveiller des prises de conscience en vous. Donc Stéphanie Abellan, vous avez son site web sous ma vidéo, vous avez aussi donc ses travaux, hein, ce qu'elle fait. Alors je vous montre, voilà, donc ses petits livrets, La Flamme d'Anka, donc pour l'amour de soi, vous avez Les Émotions d'Anka pour travailler sur ses émotions. Voilà, elle a fait plein de choses, dont le best-seller Karma Beach. Il y a aussi la possibilité d'acheter son oracle pour les blessures de l'âme, pour donc le nettoyage cellulaire, c'est l'oracle d'Anka. Donc voilà, elle fait un boulot magnifique. Vous avez aussi ses bijoux, alors je vous montre. Voilà, vous avez une Médéor. Je ne sais pas si on voit bien, je suis désolée, je ne peux pas toucher à la caméra. Et du coup, voilà, vous avez aussi la Karma Box, donc dernière petite arrivée dans son panel de propositions énergétiques, hein, qu'elle nous crée. Vous avez aussi, alors je vous montre l'intuition dans le cas. J'en reparlerai dans une autre vidéo, je pense, parce qu'il y a des choses à en dire. Mais tout d'abord, je vais déballer la Good Karma Box. Alors, où est-ce que j'ai... Voilà, ça c'est le problème des Gémeaux. Des fois, on oublie où on a mis les trucs. Je voudrais pas l'abîmer. Alors, on va enlever le blister, du coup. Je suis comme une enfant à Noël, hein. Je vous le dis, ça se voit peut-être pas parce que je vais essayer de pas être hystérique, mais j'adore, j'adore. Alors, bon, bah, les cartes, les couleurs, elles sont super jolies. Super belles, franchement. À manier, c'est super cool aussi parce que du coup, c'est un petit peu. Je sens que ça va bien accrocher, ça va pas partir dans tous les sens. Alors, donc les cartes, elles sont comme ça. Comment utiliser cette box? Lorsque vous ressentez le besoin de recevoir un message, tirez une carte au hasard et relisez plusieurs fois son message au cours de la journée ainsi qu'au coucher. Laissez ensuite infuser son énergie dans votre subconscient afin qu'il dénoue ou éclaire ce qui vous bloquait. Donc ça, c'est la première carte de la box, hein, c'est ce qu'on retrouve au tout début. Et puis ensuite, on a les cartes. Donc je vais les mélanger quand même. On va voir. Alors, vous avez en dessous, je ne sais pas si vous voyez, voilà le type d'axe, hein, qui est travaillé ici. Donc reconnexion. Vous avez alignement à soi. Alors c'est déjà mélangé. Je vais essayer d'en trouver une autre. Voilà, inspiration. Donc, vous avez des cartes d'inspiration, des cartes d'alignement et des cartes de reconnexion. Donc, hop, je vais mettre ça ici. Et non, franchement, à mélanger, c'est super smooth, c'est doux. Il y a vraiment un... Vous savez, ça glisse. Voilà, j'aime bien. J'aime bien parce que ça accroche pas. Voilà, alors là, je les mélange. Et donc, ce que je fais, je vais remettre la carte... La carte, comment utiliser cette box. Donc, je vais purifier. Il faut toujours purifier, hein, quand on acquiert un nouveau jeu de cartes. Donc là, je prends ma sauge, je la fais brûler un tout petit peu.
parce que c'est voilà, il y a des bonnes énergies à travers ce que propose Stéphanie, donc moi j'ai toute confiance. Et du coup voilà, donc vous faites brûler à la sauge et vous passez comme ça, hein, tout bonnement, voilà, pas plus, il n'y a pas plus simple. Voilà, vous faites une petite fumigation, hop, et puis c'est bon. Voilà. Et donc là, on va y aller. Alors, je vais reprendre la vidéo. Je vais préparer donc l'accéléré du tirage parce que je vais tirer plein de cartes et je vous fais gagner ce temps-là. On se retrouve tout de suite. Je voudrais juste un message, s'il vous plaît, quand même, pour le démarrage de cette vidéo qui change un petit peu. Allez, je vais en choisir une au hasard. Je vais choisir celle-ci. Et c'est une carte de reconnexion. Alors, la pensée positive du jour, la raison d'un malheur est la non-acceptation de sa finalité. Choisissez d'être OK avec les événements et acceptez que du bon arrive juste ensuite. Les énergies sont comme des vases communicants. Quand vous lâchez, ce que vous désirez arrive à vous. Voilà mes très chers, je vous dis à tout de suite pour le reste de la vidéo de la semaine. Et voilà, j'espère qu'en tout cas cette petite interlude vous aura plu et on se retrouve très vite. On y va pour la lecture intuitive du coup de cette semaine. Voilà, donc je vous rappelle qu'on a la pensée positive du jour, la raison d'un malheur et la non-acceptation de sa finalité. Choisissez d'être OK avec les événements et acceptez que du bon arrive juste ensuite. Les énergies sont comme des vases communicants. Quand vous lâchez, ce que vous désirez arrive à vous. Donc ça, c'est donc la Good Karma Box avec la carte de la reconnexion qui est tombée pour cette semaine. On est dans les énergies de la lune croissante, premier croissant de lune, où on travaille à vibrer son intention, à la visualiser encore plus fort pour que ça se produise, pour que ça se réalise. On a la force de diamant qui était déjà sortie et créer sa réalité. Donc là, on a des aides du royaume subtil aussi avec le conseil de lumière. La divine orchestration est là justement pour vous aider à réaliser ce travail énergétique. Donc ce travail, c'est vraiment, de, comme je le disais, hein, de faire sortir les choses de l'ombre. Les difficultés aussi qu'on a à accepter une transformation. Donc là, on est avec le shadow, l'ombre et le sesqui carré, imperfection, peur à reconnaître et à transformer. On est justement dans un alignement à soi, un alignement à ce qu'on veut vibrer. Et puis, on a le corps qui se manifeste aussi avec Ask Body et Mars. Donc, action, concrétisation, ambition, indépendance, courage, passion. Ici, le corps étant comme un véhicule énergétique, hein, où circulent les énergies, vous allez tout simplement écouter votre corps, écouter ce que vous avez envie de mettre en place. C'est un petit peu comme si vous aviez des crépitations dans les mains, dans les pieds, dans les jambes, voilà. Et puis, si vous avez des douleurs, par exemple, lombaires ou cervicales, eh bien, ça va indiquer aussi, c'est votre subconscient hein, qui vous envoie des messages et qui vous indique, attention, travaille un petit peu ton identité, travaille aussi la manière dont tu te tiens dans ce monde. Voilà, ça peut parler de blessures subtiles, hein, donc le corps va les manifester. Ici, vous prenez aussi de l'élan, du courage, vous avez l'ambition, vous êtes en train de ressentir cette nouvelle énergie après une année qui a été quand même, bon, on est qu'au mois d'août, mais on a eu quand même une année qui a été troublante, qui a été résiliente, hein. On a vraiment connu le pouvoir de la résilience. Ici, avec l'Explorer et la Maison 6 de la Vierge, on a cette capacité à trouver une activité utile, à rendre son quotidien eh bien, plus fascinant. Donc avec de la curiosité, l'explorer c'est la boussole, hein, c'est vraiment l'aiguillage. Donc là vous êtes en train de réaiguiller vos énergies vers quelque chose qui est tourné vers, avant tout vers vous et puis vers les autres. On a la santé, on a le bien-être, on a le service. Donc vous allez trouver une activité utile. Ici on vous dit de sortir des sentiers battus, de sortir de vos habitudes pour vous réancrer dans une nouvelle réalité. Donc l'aiguillage, le redressement un petit peu énergétique, ça va être ça. Je vais de l'avant. J'écoute mon corps m'explique ce dont j'ai besoin ce que j'ai besoin de guérir, ce dont j'ai besoin tout court. Et justement, vous allez aller vers de nouvelles choses. Ça va vous permettre eh bien, d'être dans la destruction sacrée, c'est-à-dire que la destruction, c'est la sagesse, on a les yeux de hibou. Et avec la maison 7, on est dans le couple, les associations, l'amour, les compromis. On peut être aussi dans l'équilibre, on peut être dans la signature d'un contrat. Donc là, on fait
ce travail d'ombre pour faire émerger la lumière. Et justement, ce travail d'ombre, on vous dit de ne pas en avoir peur, de ne pas avoir peur des transformations, parce que justement, ce que vous allez sacrifier, ça va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes énergétiques, de nouvelles portes dans votre vie, un nouveau cycle amoureux, un renouveau un petit peu partout. Donc là, on est à la rentrée aussi, c'est la période de l'année où on réajuste, on fait un petit peu ses comptes, on fait le bilan, et puis on repart sur une nouvelle année scolaire. Mais c'est aussi l'heure du bilan, puisque le signe de la Vierge va importer ça, et on vient de rentrer eh bien sous son ère. Donc voilà, avec la mort et la lune, on a les émotions, l'intuition, le monde intérieur, les besoins, zone de confort. On vous dit d'écouter vos rêves, on vous dit d'écouter ce dont vous avez besoin, de pouvoir sortir de votre zone de confort si nécessaire, d'avoir vos émotions qui vont justement se réinitialiser. C'est-à-dire que ça me fait un peu penser à l'as de coupe, hein, avec le gommage énergétique, le gommage des émotions négatives, et avec la mort, on fait mourir tout ça. Dans la continuité du travail de Stéphanie Abellan, on a les émotions dans le cas qui vont justement vous permettre de libérer les émotions négatives. Donc là, ça va être ça aussi. Vos rêves vous indiquent, vous aiguillent, vous donnent une piste de réflexion, un axe de travail qui va être très important à suivre, puisque justement, vous allez entamer un nouveau cycle avec The Magi et Neptune. Donc encore une fois, un signe qui va être basé sur entre la Lune et Neptune. On a quand même cette notion d'émotion, d'intuition, d'illusion, d'idéalisme. Donc là, on est en train justement de réinitialiser, de commencer un nouveau cycle, de redémarrer avec l'espoir, puisqu'on a les bougies, on a le grimoire, l'araignée qui va symboliser la toile qu'on a envie de tisser dans ce monde, dans cet univers, la réalité aussi qu'on se crée, et avec les cristaux, la tamée, la coupe, on a les feuilles, la sauge, on a le feu, on a vraiment cette notion d'apporter des ingrédients magiques, donc dans son quotidien, puisqu'on a la maison 6 de la Vierge, dans son quotidien, mais aussi dans ses croyances. Donc là, au niveau des émotions, il y a une vraie volonté d'y croire, en tout cas, c'est ce que les cartes vous conseillent, c'est-à-dire pour manifester la magie dans votre vie, pour redonner un coup de boost avec le corps et avec la destruction sacrée, vous allez justement reparamétrer votre vie amoureuse, votre vie aussi sociale, hein, parce qu'il n'y a pas que l'amour, il y a la vie sociale, il y a le rapport aux collègues, le rapport au patron, etc., etc. Donc on va aller voir ce que ça nous dit dans l'évolution avec le tarot de Marseille. Alors, pour cette semaine, donc lundi 24 au vendredi 28, qu'est-ce qu'on a comme message? Donc je vais prendre le tarot de Marseille, je vais faire un tirage en croix que je vais étaler, hein. Je vais voir comment je l'étale, mais gardez en tête que c'est la réponse, les aides ou les obstacles, le court terme, le long terme et la synthèse à la toute fin. Allez, ce qui vous arrive en termes énergétiques, on a quoi qui est tombé? Alors, on a le 9 d'épée et la force. Donc là, on est vraiment dans une énergie de résilience, c'est-à-dire que vous faites émerger justement vos craintes, les peurs les plus profondes, hein. C'est vraiment les pires craintes que vous puissiez avoir ici. Elles sont en train de se faire, on va dire, tordre le cou par la force. La force, c'est aussi la carte de la Vierge. La force, on est dans l'acceptation, on est dans la résilience, on est dans le courage, on est dans la bravoure. Donc ici, on affronte vraiment, on a ce courage d'affronter ces peurs les plus profondes, comme je disais, pour pouvoir eh bien, effectuer ce travail de l'ombre, c'est-à-dire passer de l'ombre à la lumière. Donc ça, c'est très bien, très positif comme énergie. On a quoi dans l'autre deck? On a le roi d'épée. Donc le roi d'épée qui parle d'être en maîtrise de son mental, d'être dans le contrôle aussi de certaines choses, c'est-à-dire je ne me laisse plus envahir par mes craintes, je ne me laisse plus envahir par mes doutes, mes incertitudes. Là, avec le 9 d'épée, on est quand même dans la douleur physique, hein, c'est-à-dire que le psychique, les douleurs psychiques, les peurs sont tellement fortes que ça peut occasionner des douleurs corporelles. Regardez bien vos cervicales, vos épaules, comment vous vous sentez. Voilà, il y a le chakra aussi du cœur, hein, le plexus qui peut être un peu bloqué parce que vous haletez comme ça. Donc ici, vous êtes en train d'effectuer ce travail, vous avez la force nécessaire. Ça, c'est une très bonne nouvelle que la lame majeure tombe avec cette carte. Allez, en aide ou en obstacle, qu'est-ce que vous avez, s'il vous plaît,
Alors, hop, on a le diable, hein, parmi le patatras des cartes. On a le diable qui est sorti, le diable qui parle justement de tout ce qui va être du terme de l'emprise, l'emprise énergétique, l'attachement malsain, les craintes, vraiment, donc avec le 9 d'épée et le diable, on est dans les craintes, on est dans ce que vous redoutez, ce que vous devez aussi guérir, c'est-à-dire l'emprise de quelqu'un, pourquoi pas. Avec le diable, on est aussi dans des peurs matérielles, c'est-à-dire l'argent. Voilà, donc là, vous allez vous discipliner. On a le 3 de deniers qui parle de création, qui parle de faire appel à son talent créatif, d'écouter aussi les conseils des autres parce que les conseils des autres peuvent être très bien sentis et vont vous permettre d'évoluer sur le plan que ce soit familial ou professionnel, même sentimental, hein, c'est-à-dire que les conseils de l'autre vont être de manière à faire progresser la vie de famille ou le couple, et puis ça peut être aussi des conseils d'amis pour votre vie sentimentale, pour justement nettoyer cet attachement malsain. Ça peut être aussi à des énergies, c'est-à-dire que vous laissez la part belle à vos doutes, à vos incertitudes, à vos angoisses, et là, on vous dit, bah, vous êtes en train de nettoyer ça. Donc ça, c'est plutôt un obstacle, mais justement, c'est ce qui va vous permettre de le contourner. Vous avez la force, hein, je vous le rappelle. À court terme, qu'est-ce que vous avez comme énergie, s'il vous plaît, comme message à court terme? Alors, j'ai toutes les cartes qui sont tombées sur mes genoux. Alors, pour la semaine du lundi 24 au vendredi 28, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Alors, on a trois cartes qui sont tombées. Alors, on a le valet d'épée, pardon, le 2 de bâton et la reine de bâton. Donc ici, on est dans une énergie de feu, on est dans les signes masculins, donc Gémeaux, Balance, Verseau avec l'air et avec le feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc il y a une nécessité de penser d'une autre manière. Le valet, excusez-moi, j'en perds ma voix. Le valet va parler de fraîcheur, va parler de projet. Ici, on peut se lancer aussi dans une nouvelle formation, un apprentissage, de nouvelles études, la connaissance de quelque chose de nouveau. Ça peut aussi parler des réseaux sociaux. Donc ici, on vous invite à reprendre votre pouvoir personnel avec la reine de bâton, c'est-à-dire d'être en possession de votre force, de votre pouvoir. On est dans l'actif, hein, on est dans la virilité, même si on a une figure féminine, la reine de bâton, c'est vraiment celle qui va engager une action, qui va être l'avant-dernier palier de cette concrétisation d'action. Le 2 de bâton parle quand même d'hésitation, donc là vous hésitez sur la marche à suivre, et c'est pour ça que vous avez le valet, c'est-à-dire faites preuve de votre capacité à réfléchir différemment, à mettre en place de nouveaux projets. Voilà, comme ça, vous allez retrouver en fait votre pouvoir personnel et votre force. Vous allez savoir aussi, là on parle d'une décision, hein, c'est-à-dire une clarté d'esprit entre le valet de bâton et le valet d'épée, pardon, et le 2 de bâton. On est dans l'idée de trouver une solution, voilà, et c'est une solution qui va vous donner plus de pouvoir. Donc vous passez à l'action. Et vous retrouvez votre allant, votre fougue, j'ai envie de dire, la reine de bâton, c'est vraiment celle qui est expansive. Hein, donc vous allez retrouver cette énergie-là. Excusez-moi, j'en perds mon latin. Allez, à long terme, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme message pour celles et ceux qui regardent la vidéo pour la semaine du lundi 24 au vendredi 28 août 2020. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme message? Alors ici, on a le 10 d'épée et le 6 de bâton, donc très bien. Ici, on a la fin d'une sensation où vous aviez l'impression d'avoir été trahi, dupé, volé, désespéré parce que vous n'arriviez plus à réfléchir. Justement, à court terme, vous avez une nouvelle idée. Et là, vous basculez de cycle, hein, c'est-à-dire que vous passez d'une difficulté, d'un sentiment de désespoir à la reconnaissance de votre travail effectué. Donc travail énergétique, travail sur le plan professionnel, travail à la maison. Donc là, on est dans la notion de reconnaissance, c'est-à-dire que vous avez dépassé les difficultés. Le 6 de bâton avec les énergies du 9 d'épée, du diable, de la force
Ici, c'est vraiment, voilà, vous revenez de la guerre, en fait, avec cette carte. Vous revenez de la guerre et on vous reconnaît. Voilà, vous avez bien bataillé, vous avez droit au laurier, en fait. Donc, on va vous dire, très bien, bravo, tu mérites d'être heureuse. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Tu mérites que d'avoir une promotion, par exemple, au travail ou une reconnaissance, pourquoi pas sur le plan financier, d'ailleurs. Le diable, je rappelle qu'il peut être ambivalent, hein, là, dans ce tirage. Au vu des cartes qui sont tombées après, ça peut être comment gagner plus d'argent, donc des préoccupations matérielles, des angoisses matérielles et comment stratégiquement gagner plus d'argent, comment revenir en fait de cette énergie où on se sentait désespéré. Là, il y a vraiment le 9, le 10, on passe à un nouveau cycle. Hein. Le travail est fait. Justement, en dos de deck, vous avez l'ermite. Donc, l'ermite qui va parler de connaissance de soi, d'aller à la recherche en profondeur de ses angoisses, de les illuminer, de les éclairer, de les faire émerger, de les faire sortir de la grotte. Donc, il y a la notion d'accoucher un petit peu de ses angoisses, de dire, voilà, maintenant qu'elles sont en plein jour, je peux les détruire, je peux reconstruire derrière. C'est le but aussi de cette année 2020, la reconstruction. Donc ça passe par une destruction, forcément, on l'a bien senti hein, quand même, cette destruction, mais c'est pour le mieux. Allez, en synthèse, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? On a la mort. Eh bien, très bien. Moi, je suis contente d'avoir cette carte en fin de tirage, en synthèse. Vous êtes en train de gommer énergétiquement et vous avez le 10 de coupe. Donc, le bonheur est atteint. Ici, c'est l'atteinte du bonheur. Gommage énergétique avec la mort, ça va parler de tout simplement se libérer de tout ce qui vous entrave, de vos boulets personnels. Hein, c'est-à-dire, ça peut être des personnes, ça peut être des énergies, un mode de pensée, un schéma répétitif. Ici, on coupe. Hein. C'est au C4 là que ça se fait et vous coupez, donc c'est comme quand on coupe une plante hein, pour la laisser pousser encore mieux, quand on coupe ses cheveux pour voilà, c'est vraiment cette idée de couper pour laisser pousser davantage d'énergie positive. Et là, avec le dos de deck, on est dans le bonheur, on est dans la petite maison dans la prairie, on est dans le Saint Graal, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de nuages, il n'y a pas une seule ombre au tableau. Donc vous êtes passé par cette difficulté, par tordre le cou, hein, comme je le disais, à vos angoisses. Et là, vous faites émerger des opportunités. Vous ne vous sentez plus bloqué, d'ailleurs énergétiquement, avec la fin d'un cycle, hein, le 10 d'épée. Je vous le montre parce que je l'ai en tête depuis que le 9 d'épée est sorti. Les pensées dans le cas, donc déprogrammation d'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Vous avez les liens sous la vidéo. Vous avez le site de Stéphanie Abellan, comme je l'indiquais, pour le déballage, on va dire, de la box, donc de sa Good Karma Box. Vous pouvez aussi la trouver sur son site, hein, je vous le rappelle. Donc voilà, ici, il y a vraiment coupé. Et trouver le bonheur, réussir à trouver le bonheur. On va voir ce que ça nous dit sur le plan amoureux, sur le plan personnel, émotionnel. Donc je vais prendre trois cartes ici avec l'oracle des miroirs. Excusez-moi, il y a la triade qui s'est invitée, elle viendra après. Voilà, patience. Allez, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît comme message sur le plan sentimental pour celles et ceux qui regardent la vidéo lundi 24 au vendredi 28, ici on a le miroir magique, on a une protection et en même temps on va aller en profondeur, on va regarder ce qu'on doit faire émerger. C'est aussi le voile qui tombe, hein, c'est-à-dire que une fois on est protégé, vous avez les aides du royaume subtil, vous avez la force de diamant, vous allez créer votre réalité telle que vous voulez qu'elle vous ressemble, c'est-à-dire je veux quelque chose de positif et j'atteindrai cet objectif. Là, avec la naissance, on a vraiment la floraison, c'est-à-dire que ça y est, la coquille, vous sortez de votre coquille, vous sortez de votre chrysalide et vous allez papillonner, vous allez avoir cette renaissance avec la magie tout à l'heure qu'on a eu au tout début de la lecture intuitive et le valet d'épée, on est dans la nouvelle manière de penser. Donc il y a vraiment une réinitialisation et une réalisation aussi au niveau du mental. Voilà, vous prenez conscience de cette renaissance, de cette nouvelle vitalité.
Changement, eh bien oui, hein, y a un changement qui s'opère. La carte est encore là pour vous indiquer que vous allez embrasser ces énergies. Il y a aussi des paroles. Hein. Donc au niveau sentimental, vous allez peut-être parler de changement ou on va vous parler de changement. Vous le sentez de toute façon. Hein. Je vois vos commentaires, je les lis. Même si des fois, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, je lis vos commentaires. Et honnêtement, voilà, je vois hein, les énergies aussi que vous embrassez, que vous des fois subissez, mais tout le monde est logé à la même enseigne. Ce changement, il est là pour tout le monde. C'est la première lune croissante qui, bah voilà, la naissance est là aussi, qui nous fait sentir cette nouvelle impulsion, cette nouvelle énergie. On vous parle de quelque chose qui émerge après un temps d'attente. Hein. Là, ici, vous avez la carte du temps et vous avez la carte de la victoire, la carte de l'action. Donc ici, vous avez tordu le cou, comme je disais, à la fatalité. Voilà, c'est les pensées négatives, cette tendance à ne pas croire en vous, c'est l'auto-sabotage tout simplement. Vous vous mettez en action, vous plantez quelque chose de nouveau, on vous dit que c'est l'attitude victorieuse parce que vous allez avoir le résultat concret après un temps d'attente. On vous dit là pour l'instant de laisser aussi le temps au temps, il y a des choses qui doivent s'imprégner, il y a des choses qui doivent émerger. Avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît pour vous ? Pour la semaine du lundi 24 au vendredi 28 août, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme énergie sur le plan sentimental? Quels sont les messages? Alors ici, on a les papiers. On vous dit de faire attention, de faire du tri. Ça, c'est important parce que on entre la rentrée. C'est toujours voilà, rentrée sous le signe de la Vierge. La Vierge qui fait attention aux détails, qui est organisée, qui est soucieuse, qui est, on va dire, consciencieuse aussi du travail bien fait. Donc là, vous allez trier, vous allez organiser. C'est aussi la période idéale. C'est logique parce que le changement est juste derrière. On vous alerte quand même. Hein, c'est-à-dire, regardez. Regardez en face, trier, donner, jeter, que ce soit des habits ou des énergies, un mode de pensée, ça peut être aussi des personnes, des fois, dont on doit s'éloigner pour notre propre bien-être. Et puis ici, avec la surprise, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment un vent de changement, un retournement de situation. Là, avec la carte du désert en dos de deck, hein, c'est après une période désertique. Et là, paf, pif, pouf, il va se passer quelque chose. Allez, on va essayer de savoir quoi. Qu'est-ce qui va naître là? Ça peut être la naissance d'une nouvelle relation. Ça peut être la renaissance dans une relation actuelle. Ça peut être aussi la naissance de bébé. Mais moi, j'ai plus vraiment l'impression que c'est au niveau des émotions, des énergies, voilà, de ce qu'on transmet aussi à l'autre dans la séduction, que ce soit en célibat ou en couple aussi. Hein. Allez, un dernier message, s'il vous plaît, avec l'oracle G. Hop, le choix, la décision. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la protection d'une femme plus âgée. Ça peut parler aussi des valeurs ancestrales, d'un schéma familial que vous libérez. Vous faites le choix de lourder un passé, j'ai envie de dire. Hein, c'est-à-dire, cette lourdeur qui vous appesantissait, vous allez tout simplement vous en débarrasser. Donc là, allez voir peut-être dans vos ancêtres ce qu'il y a à percevoir. Vous allez faire un choix aussi. Le choix de la maturité par rapport à une histoire, par rapport à une finalité, là c'est la sagesse. Hein. D'ailleurs sur mon blog, j'ai posté quelques liens d'ouvrages qui pourraient vous aider à compléter le travail énergétique et justement j'avais trouvé un livre qui m'avait bien fait rire et qui m'avait un peu ouvert les yeux. C'est tout simplement l'art de s'en foutre, il me semble. Mais mon père me disait, pour lui, la sagesse, hein, c'est cette capacité à... Allez, c'est bon, j'ai autre chose à faire dans la vie. Donc, du coup, voilà, c'est un peu l'art de s'en foutre, quelque part. Mais c'est... tout simplement comment connaître la sérénité, comment connaître la paix intérieure, la paix aussi dans l'entourage, avec les autres, avec soi-même. Et puis, qu'est-ce que nous dit la triade pour vous, là? Qu'est-ce qu'on a avec la triade sans concession, hein, ce jeu? C'est vraiment celui qui va être le plus... qui va dire la vérité toute crue. On a la porte. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous attend. On vous dit de franchir ces deux paliers. Il y a aussi l'équilibre entre la terre et le ciel. Donc, c'est le lien entre le subtil et le conscient. C'est le lien entre le terrestre et le céleste. C'est-à-dire, voilà, j'ai un passage. Et je, pour trouver l'équilibre, je dois franchir aussi des cycles, des paliers. Il y a quelque chose
qui m'attend derrière la porte, l'épanouissement. On a l'épanouissement, on a aussi cette notion de, d'avoir quelque chose qui nous attend derrière. Donc une porte se ferme parce qu'on accepte hein, tout simplement de prendre un autre chemin. C'est aussi la carte de la décision, du choix, et on va vers quelque chose, ben voilà, il y a le choix qui est en dos de deck, donc c'est on ne peut plus clair, et la lumière à la coupe. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît, pour le sentimental? Pour celles et ceux qui regarderont la vidéo, on a la fluidité, la communication, l'intuition, la sensibilité avec la femme, quelque chose qui va aussi couler. C'est-à-dire que là, en pardonnant, vous avez cette notion, donc faire pénitence ou ça peut être décider de ne plus punir quelqu'un, donc lâcher prise par rapport à ça, vous avez justement les choses qui coulent mieux. Que ce soit en termes de communication, que ce soit en termes, tout à l'heure on avait la parole hein, avec le changement, donc la communication, la sensibilité, les rêves aussi, la richesse, eh bien oui, on vous dit que vous allez avoir de l'abondance, vous allez avoir de bonnes nouvelles, vous allez avoir aussi la reconnaissance et je pense en termes de fluidité énergétique des sentiments entre deux personnes, il va y avoir plus de... comment dire, plus d'épaisseur, plus de contenance, plus quelque chose qui se dessine, en tout cas si vous êtes célibataire, et pour une vie de couple, il y a vraiment cette notion de sécurité avec la richesse, on n'est pas dans le besoin, on a la sécurité, voilà, et l'eau, la fluidité, les vases communicants, donc les messages sont bien là. Qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, qui a sa chaîne, hein, que vous pouvez aller voir, on a la santé. Donc se refaire une santé, on a le don aussi, peut-être que vous avez un don de guérisseur, peut-être aussi que vous aviez occulté ce, comment dire, cet aspect de vous-même, et que là, cette semaine, il y a quelque chose qui énergétiquement va émerger, et on vous dit tout simplement, voilà, écoutez votre corps, parce que peut-être que vous avez bloqué ce don de guérir, ou alors, vous avez, on ne peut pas vous donner la santé, mais vous avez le don de soi, le don de fluidifier les choses. Moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment le sentiment qu'ici, il y a quelque chose qui va émerger. C'est comme le voile des illusions qui tombe et vous vous dites, mais en fait, j'ai peur, mais c'est bidon. Je vais créer cette réalité. Je ressens cette chose. Je ressens ce que mon corps me dit depuis toujours. J'ai voulu l'occulter et puis finalement, je ne peux plus le nier. Donc, le choix encore. Vous avez le choix cette semaine, hein. Il y a un choix qui doit être fait. Et ici, bonheur, eh bien oui, vous allez vers votre bonheur, vers l'automne, et c'est aussi par le lâcher prise, hein, l'automne, c'est les feuilles mortes, c'est aussi le printemps de l'hiver, donc le printemps d'une réinitialisation totale, là, vous êtes en train de travailler à votre bonheur, de réentamer un cycle, ou un nouveau cycle sous de nouvelles énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai envie de prendre... Tiens, je vais prendre un sortilège. Qu'est-ce qu'on a comme mantra? Alors, on a trop de cartes qui sont tombées. On a quand même la protection psychique autour de moi maintenant. Un bouclier d'or me protège, symbole de force et de courage. Je trouve que c'est en résonance aussi avec les énergies qu'on a eues au tout début de la lecture intuitive. Alors, je vais quand même... Voilà, c'est bien. Allez, on en a deux. Une maison protégée, je lance ce cercle tout autour de moi. La sécurité est désormais là, partout. Et puis, organisation, donc c'est aussi les papiers hein, administratifs qu'on a vus avec l'oracle G ici. But, planification, efficacité viennent facilement à moi maintenant. Donc là, vous avez, il y a vraiment la notion de trier, de protéger. Je vous ai montré hein, tout à l'heure, mais je vous le remontrerai, la sauge, hein, comment bien protéger, purifier sa maison. Vous avez d'ailleurs une vidéo où j'avais parlé de purifier les pierres, purifier le pendule. Donc voilà, vous pouvez aussi purifier vos cartes, vous pouvez purifier un vêtement que vous avez reçu, un jeu de cartes que vous avez reçu, voilà. Ce que vous avez envie de purifier, c'est la fumigation en fait, c'est le pouvoir de la fumée et la sauge amérindienne qui est sacrée, qui va vous permettre eh bien justement de protéger tout ça, d'avoir les idées claires. Alors en termes de lithothérapie, vous avez le cristal de roche, si vous avez envie d'avoir les idées claires et des messages qui viennent à vous. Vous avez la calcite optique aussi,
Alors je vais essayer de l'atteindre. Voilà, donc la calcite optique qui vous permet justement de clarifier vos pensées. J'ai rangé les autres pierres, mais vous en avez moult sur voilà, le panel de pierres qui se fait, qui permettent d'avoir l'esprit clair. Donc ici, alors je vais laisser ça comme ça. On va aller voir un message. Alors, avec l'oracle de la lune, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Allez, on a deux messages, concentration et volonté. Donc ici, il y a vraiment cette notion de, voilà, on a le masque, mais on a aussi la lune, donc on va faire émerger. On a la gibbeuse croissante, hein, donc il y a vraiment des choses qui se... on est dans les deux gibbeuses croissantes, d'ailleurs, la quatrième et la cinquième. Donc là, il y a des choses qui, en termes... Donc plus on se rapproche de la pleine lune, plus il y a des choses qui émergent. Donc on a la volonté, on se concentre aussi. C'est ce qu'on avait dit avec le roi d'épée qui était sorti en dos de et le valet d'épée qui était sorti dans le tirage. Ici, donc la volonté de faire émerger certaines choses. Donc à partir du moment dans les phases de la lune où on avance, on va retirer ce masque. On va avoir cette volonté de se dépouiller. On est dans la carte numéro 13 aussi. Donc se dépouiller d'un ancien système, d'anciennes émotions, etc. Et la concentration, c'est-à-dire je fais appel à mon intuition. Je plonge dans les mystères, dans la profondeur de mes émotions pour comprendre, pour faire émerger. On est aussi avec le 14... On a tempérance, hein, la carte, je cherchais le mot, enfin l'arcane majeur. Donc la tempérance qui va parler de justement équilibrer entre ce qu'on ressent, ce dont on a besoin. Donc la concentration, ça va être tout simplement le denier aussi. On est dans cette phase où on a besoin d'avoir les idées claires pour savoir ce qu'on va engager comme action. Donc là, on y est. Organisation, maison protégée, je fais appel à mon intuition, je communique mes besoins, mes désirs, et du coup, ça se manifeste plus facilement. Allez, qu'est-ce qu'on a? Un message pour les couples, s'il vous plaît. Alors, romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc ça, c'est pour les couples. J'ai commencé par eux, pour une fois. Et pour les célibataires, le message est tombé tout de suite. Union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Alors, on finit avec un petit message, une petite carte, s'il vous plaît. Du tarot des anges de Dorine Virtu. Reine de feu, donc ça fait deux fois qu'elle tombe, confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse, déployez vos ailes et prenez votre envol, ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Et puis on a quoi? Trois de terre encore, donc vraiment, on a vraiment les messages qui tombent, hein. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis, on finit avec un petit message, il est tombé tout de suite. Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Voilà mes très chers, votre guidance de la semaine est terminée. J'espère que ça vous aura donné des pistes, des axes et des clés pour avancer, pour vraiment comprendre les énergies et avancer dans votre vie. Je vous aime, je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour les signes de août et septembre. À tout de suite, à très vite, bye bye. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaitdutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye.